Cic Royal qui vient en troisième épaisseur devant Solidago Lotois, sorti bientôt du tournant final avec Soprane de Gournay qui tente de réaccélérer et de s'imposer de bout en bout devant Soyeuse Royal, Celtic Royal qui vient à l'extérieur devant Sugar Max le long de la corde alors que Séraphin Gienne n'a toujours pas le passage. Il reste maintenant 200 mètres à parcourir. Soprane de Gournay attaqué par Celtic Royal avec le long de la corde Sugar Max et puis Séraphin Gienne maintenant qui vient très fort à l'extérieur. Soprane de Gournay, Séraphin Gienne qui lutte pour la victoire devant le numéro 11, Sugar Max avec le 10 également. Faute de Séraphin Gienne, c'est Soprane de Gournay qui va l'emporter devant Sugar Max. Soprane de Gournay l'emporte. Sugar Max se classe deuxième. La troisième place reviendra au numéro 10 et il s'agit de Celtic Royal.